Good morgen, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, Moïrevi, Shmuel, Ben Shlom, Zalman, Shalom, Binyamin, Ben Mazal, ainsi que leur fat, Refel, Zulun, Ben Chaim, Alia, Miriam, Bat, Chassida, Dov, Ben Yudit, Sarah, Bat, Betir, Vika, Bator, Shalom, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions aujourd'hui Masechet Chulin, Perek, Yudalef, Mishnah, Bet. La Mishnah est longue, on la coupe en plusieurs morceaux, on commence tout de suite. Vekama, Hu, Merube, Bet, Shamayom, Rim, Shter, Echelot, Shneemar, Echaye, Ish, Eglat, Bakar, Ushtei, Tzon. Ou bet Hillel Omrim Chamesh, Shenemar Chamesh Tzon Asuyot. Déjà, première discussion qu'on trouve dans la Mishnah, c'est à savoir Kama ou Merube. On avait appris dans la Mishnah précédente une différence entre les Reshitagez et les Matanot Zroa Lechaim Vekeiva. C'est-à-dire, je m'explique, la Torah nous a donné des mitzvot de donner aux Kohanim. Les Kohanim, ils sont censés travailler au Bet Amigdash, ils n'ont pas de terrain, ils n'ont pas de troupeau, ils sont leur but. Leur fonction dans la vie, c'est essentiellement la Torah, diffuser la Torah au peuple, faire en sorte que tout soit appliqué comme il faut et tout ça. De ce fait, la Torah a donné plusieurs misotes, de leur donner, de prélever plusieurs choses et de leur donner, de les entretenir. On doit leur donner la Trouma Gdola, la Trouma Maaser. On doit leur donner aussi, lorsqu'on égorge un animal profane, Zora Alechaim Vekeibas, ce qu'on apprenait dans le pérec précédent, et des dons de viande, quoi, d'accord, des trois morceaux à leur donner. Et puis, à part ça, la Torah nous a donné la mitzvah de Réchit Hagez, lui donner une part des tontes de laine lorsqu'on va tondre les moutons. D'accord ? On avait appris dans la Mishnah précédente, déjà, parce que pour comprendre la première phrase de la Mishnah, il faut forcément faire un petit comeback. Dans la Mishnah précédente, on avait expliqué la différence, on énumérait plusieurs différences entre les Matanot et les Réchit Hagez. Une des différences, c'était que les matanotes, Zohar Lechem et Keiva, c'est même lorsque tu égorges un seul animal, tu dois leur donner au Kohanim leur part, tandis que pour Réchit Hagez, il faut nécessairement tondre plusieurs animaux. D'accord ? C'est déduit ça de la Torah qui m'a donné la misa de Réchit Gez Tzoncha. Les premières tontes de ton troupeau. Donc la Torah, elle a insisté, troupeau. Donc, si tu fais juste un seul mouton, tu ne dois pas lui donner, c'est que si tu fais un troupeau. La première question de la Mishnah est de savoir donc à partir de combien je considère que j'ai un troupeau. Vekamahu merube, combien, à partir de combien tu considères qu'il faut égorger plusieurs par rapport aux Zorachem Vekeba où ça suffisait d'égorger un seul. Bet Shammai Omrim Shter Echolot. Selon Bet Shammai, il suffit de tondre même deux moutons. On parle au féminin. Mais en réalité, il en va même pour les moutons, même pour les moutons masculins. On apprendra à la fin de la Mishnah qu'il y a une petite différence entre la laine, la qualité de la laine. La laine des femelles, elle est plus molle. Sûrement pour ça qu'on a, je ne sais pas pourquoi, on a pris sans arrêt le mot rechelot, en tout cas des brebis, au féminin donc. Donc deux, c'est considéré comme, t'es déjà un petit troupeau que tu tombes. Ça, c'est la vie de Bachamay. Shenemar, comme nous dit le verset, « Yechaye ish eglat bakar ushteitzon » qui donnera pour vivre à chacun. D'accord ? Eglat Bakar, un petit veau des bovins, et Ushteitson, et deux bêtes pour en guise de tson. Ok ? Ça, c'est la vie de Bet Shammai. Bet Hillel, Omrim, selon Bet Hillel. Chamesh, non, il faut 5. 5 moutons. Et dans la suite de la Mishnah, vous allez voir, on va partir qu'avec cet avis-là. Il faut 5 moutons au minimum à tondre pour pouvoir être composé de Réchit Hagez. Shenema, comme nous dit le verset. Chamesh son asuyot. Comme nous dit le verset, que 5 moutons plutôt, asuyot. Maintenant, il explique, c'est qu'en fait, que ça leur donne du travail à leurs propriétaires de les tondre et tout ça, de les entretenir. Donc à partir de 5, on considère qu'on a un petit troupeau déjà. Donc si tu vas tondre même 5 moutons, tu dois maintenant les prélever le Réchit Hagez. Ok. Ça, c'est tout d'abord pour définir combien de bêtes on doit tondre. Maintenant, quelle quantité de laine doit-on récolter? Il y a aussi sur ça des différences. Il y a des discussions, comme on va voir tout de suite. Rabbi Dosa, il y a deux avis. Rabbi Dosa, maintenant, Kina Somer, Tramesh Rechelot Gozezot, Mané Mané ou Pras, Chayevot Bereshit Hagez, Vachachamim Omrim, Chamesh Rechelot Gozezot Kolchehen. Voilà les deux avis. Rabbi Dosa, Ben Arkinas, il nous dit non. Eh bien, il va te dire que 5 moutons qui vont te donner une tonte de mané, mané ou pras. En fait, ça veut dire chacune un mané ou pras. Donc, mané ou pras, un mané, c'est fréquent dans la Torah. Mané, mataim zouz, ou bien mané, c'est 100 zouz. 100 zouz, 100 dinars. Mané ou pras, partout, vous allez voir le mot pras, et dans l'actorette, on lit mané, marat, c'est tout bas au cœur.
Pras Meshachit, les Ashkenazim, ils ont la guerre ça. Les Sfaradim disent Machatzilou Baboker ou Machatzilou Baerev. Chez les Ashkenaz, dans la Torah, ils disent Pras Meshacharit, Pras Mervit. Pras et Machatzit, c'est la même chose. Pras, c'est la moitié. Donc Mané, ça fait 100, et Pras, c'est la moitié. Donc 150 dinars pour chacune. Si tu as un volume, un poids de laine de 150 dinars, on va expliquer après c'est quoi la mesure, d'abord je vais venir traduire. Donc 150 dinars pour chaque bête, donc multiplié par 5, ça va nous faire 750 dinars. Un poids de 750 dinars, sachant qu'un dinar c'est l'équivalent de 4,8, on va revenir tout de suite. Donc tu calcules et voilà, si tu as eu ce poids de laine, eh bien dans ce cas-là, Chayavot Berishitagez, là tu seras imposé de donner, imposable de Rishitagez, de donner une part des tontes au Kohen. Tout de suite, je vous le dis, le montant général, ça va être l'équivalent de 3,6 kg de laine. Ok ? Et Vechachami, en même temps, ce que Chami nous dit, non, Chamesh el Chelot Gozezot Kolchen, même si tes 5 moutons te donnent même un tout petit peu, eh bien, tu es déjà imposable. Le Bartonor nous précise, non, c'est pas un petit peu, c'est pas vrai. Il faut qu'il y ait en tout 60 Sela, donc un Sela, c'est 4 dinars, selon la règle qu'on va appeler, Sadam Podovev, Sadam Podovev, Sela Dinar Mahar, Pundion Isar, et Dovev, Dalet, Vav, Vav, Vet, en tout cas, donc ça fait Sela, Dinar, c'est les deux premiers qui m'intéressent, ça fait 4, 1 Sela et 4 dinars. Donc, si je te demande de faire en fait 60 Sela en tout, 60 Sela, ça fait si au calme 4, 240 dinars. Donc l'un, il vous demande 750 dinars, et l'autre, il vous demande un poids de 240 dinars. Précision importante tout de suite, avant que je passe déjà dans les détails des calculs des poids, le Bartonora, beaucoup plus loin, vers la suite de la Mishnah, dans le long dibur matril de Kedela Sot, Mimnou Beget Katan, là-bas il va nous dire dans la deuxième partie du Bartanora, dans la dernière partie du Bartanora, qu'en fait quand je te demande de faire 60 Sela, c'est pas 60 Sela en tout parmi les 5. Il faut qu'il y ait 12, 12, 12, 12 au minimum. D'accord ? 12 fois 5, ça fait 60. Donc 12 au minimum, c'est-à-dire si tu en as une qui va te faire 20, 22 et l'autre elle va te faire que 2, ça compte pas comme 2, ça compte comme 1. Il faut que chacune elle te fasse au minimum 12 Sela, qu'elle te donne un poids de 12 Sela de laine. Et dans ce cas-là, si tu en as 5 comme ça, tu vas prélever le Rishitagez, prendre une part et donner au Kohen, comme ça on va prendre après la quantité à donner. Maintenant, pour les mesures, alors là, j'ai littéralement bavé. J'ai galéré, parce qu'en fait, j'avais un livre qui avait une erreur dedans, tout simplement. Ils m'ont dit une erreur et ça m'a tout. Du coup, j'ai plus approfondi le problème. Tous les calculs des poids chez Chazal, ça se passe avec des calculs de Seora, un grain d'orge. Une prouta, c'est un demi-orge. Un demi-gargir de. Vous prenez une graine d'orge et vous imaginez que c'est en fait de l'argent. Et bien vous avez ici deux proutotes. Et à partir de ça, on calcule. Toutes les mesures sont calculées selon ça. On va avoir donc en poids. Hein, alors en poids, je vais revenir sur le poids après. D'abord, pour le moment, le dinar, il va vous faire 96 proutotes. Donc ça va nous faire 96 proutotes. Et on a le martita shekel, bien sûr, ça va faire l'équivalent de, je crois que ça fait le double en fait. J'ai un petit problème technique, peut-être que je ne vais pas en parler, non, ça va faire trop après. 192 protot, 192 seora, 192 seora, d'accord, le martita shekel. Et maintenant, combien ça pèse exactement? Alors là, en fait, ça varie de 0,044 grammes pour un grain d'orge, jusqu'à 0,05. De manière générale, les poskim apparemment, ils ont plus pris la mesure de 0,05. C'est en rapport avec le fameux darham arabe. Il y avait pendant des années le Rambam, il rapporte toutes les mesures selon le darham. Et grâce à ça, d'ailleurs, on a dans les musées, je ne sais pas où exactement, mais je sais que ça, on a encore la pièce qui pesait le darham. Et ça nous aide énormément pour ceux qui ont étudié les sugyot, des poids et mesures. Ça les aide énormément de partir voir au musée, de peser exactement. Là, ça a été pesé, ça a été retranscrit, pour définir exactement c'est quoi les poids, parce qu'il y a des grandes discussions dans les poids, entre les Sfarades, les Ashkenazes, le Rebraim Nahé et le Chazonish, ça varie, ça va presque du simple au double, tout simplement. Imagine à Pessah, entre un petit morceau et une grosse quantité du Chazonish. D'accord ? Enfin, bon, je reviens maintenant à mon sujet. Donc, on va prendre comme base que 1 grain d'orge, ça fait 0,05 grammes, donc 20 grains d'orge au gramme. En poids. Selon ce principe, un dinar, alors j'ai fait le calcul, quoi, un dinar est 96 seora, donc ça va faire l'équivalent de 4,8 grammes. Entre parenthèses, les livres que j'avais, moi je me suis fondé sur deux livres, dans ce Mishnah Berurah là. Il y a à la fin, il y a des tableaux avec des mesures. Là-bas, ils comptent 4,25 grammes, je ne sais pas pourquoi exactement, par contre, ils sont plus partis sur l'avis de 0,044.
Et, mais en tout cas, apparemment, on va sonder sur le 0, c'est plus pratique en tout cas. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est plus pratique. Et ça correspond à Marxita Shekel. Marxita Shekel, j'ai bouclé les 5 minutes là récemment en donnant le nouveau le Marxita Shekel, et bien ça va être 9,6 grammes. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai un problème de conversion avec les mesures, j'ai pas étudié le sujet, donc je vais pas. On va pas ramasser sur le problème, mais en tout cas, c'est l'équivalent de 4,8 fois 2, ça correspond à 9,6 en l'occurrence. C'est comme ça qu'on a le minag aujourd'hui pour les Sfaradim qui vont donner le Marxita Shekel en donnant le point en argent. Donc 4,8 grammes par dinar. Donc si je te demande 150 dinars, ça fait 720 grammes. Et si je te dis ensuite de faire x5, ça fait 3,6 kg. Selon Rabbi Dossa, il faut 3,6 kg de laine pour pouvoir prélever, pour être imposable de Shitagez. Et selon Chachamim, il faut 1. Alors dans un sela, il y a 4 dinars, donc ça fait 19,2 grammes. Quand je te demande de faire 12 sela par animal, donc ça va te faire 230,4 grammes pour chacune. Et donc 60 sela, ça va faire 1,152 kg. Ça veut dire, vous avez, selon Rabbi Dossa, 3,6 kg, et selon Chachamim, 1,152 kg de laine, et vous devez déjà donner de la laine, d'accord? À partager entre les 5 moutons, pour Chachamim. On continue, même pour Rabbi Dossa, c'est la même chose. Chachamim, on rit, on prend donc Chachamim, je relève, on a fini ensuite. Mais Kaman, donc Nimlo, nouvelle question de la Mishnah maintenant. Combien il faut donner au Kohen? Bon, tu m'as dit, à partir de, tu m'as demandé, tu m'as précisé, combien d'animaux à tondre? Après, tu m'as appris combien je dois tondre de laine pour être imposable. Maintenant, combien je donne concrètement? Alors tout d'abord, selon la Torah, on peut donner même un tout petit peu et on s'acquitte déjà. Mais on va apprendre qu'en réalité, il faut, les Chachamim ont instauré de donner une certaine quantité. Donc, Vekama Nimlo, Mishkal Chamesh Slaim Bihuda. Il faut donner le poids de 5 Sela de Yehuda. J'imagine que le Sela de Yehuda, c'est le même qu'on avait jusqu'à maintenant, qui nous faisait donc 19,2 grammes, tu fais ça x 5, ça fait l'équivalent presque de 100 grammes, avec un petit peu moins, 0,8, ça fait 96 grammes. Donc, Mishkal, Chamesh, Slaim, Biouda, donc 5 Sela de Yehuda, ou qui font aussi Shen, Esser, Slaim, Bagalil. Dans le Galil, dans le nord d'Israël, ils avaient une deuxième monnaie qui s'appelait aussi un Sela, et qui était la moitié du Sela de trouvait en Yehuda, d'accord? C'était des poids d'or, des poids d'argent, de pièces. Maintenant, la Mishnah me précise qu'il faut que tu les donnes. Mais l'ouban velo tsoi, la quantité que tu dois donner de 5 sela, ça doit être littéralement d'abord, mais l'ouban, c'est que tu l'as fait, tu l'as blanchi. Et on va voir qu'il ne faut pas la blanchir en réalité. Mais l'ouban velo tsoi, mais qu'elle ne soit pas tsoi, mais la chaîne tsoa. Les excréments s'appellent la tsoa. Tsoi, c'est pas qu'il soit littéralement dégueulasse. Donc il faut que ce soit de la laine propre. En réalité, le partenaire nous précise, c'est pas que tu dois lui donner de la laine propre. Mais c'est que vous savez, quand on a la laine, qu'il faut la laver, qu'il va falloir la garder, la frotter, tout ça, on va avoir beaucoup de pertes. Alors sache que ce que je t'ai demandé, que tu lui laisses, donc les 96 grammes de... Ouais, enfin si j'ai bien calculé... 96, ouais, je sais pas, j'ai bien calculé. 8, ouais, c'est bon. Donc les 96 grammes de laine que tu vas lui donner, il faut que ce soit après avoir nettoyé la laine, qu'il lui reste 96 grammes. Ça correspond à quoi, à cette quantité-là de 5 slaïm? On va expliquer tout de suite, c'est Kedé la Asot Mimenu Beget Katan. De quoi faire un petit vêtement. Le minimum d'un vêtement que tu peux faire, que ça s'appelle déjà un vêtement, ça, ben, ça demande 96 grammes de laine. Propre. Chez Neymar, comme nous dit le verset, Titenlo, donne-lui Cheyebo Kedé Matana. Que tu dois lui donner, de quoi lui donner une matana, de quoi quelque chose de conséquent. Donc je rectifie. Il y a une mesure minimale, plutôt. La mesure minimale, c'est de donner quelque chose de conséquent, de quoi en faire quelque chose. C'est-à-dire, si tu lui donnes un petit bout de quoi à faire un demi-mouchoir, ça ne suffit pas. Il faut au moins un mouchoir entier pour se moucher. Maintenant, c'est quoi le plus petit des vêtements à faire? Alors, c'est déduit de juxtaposition que la Torah l'a donné à la Mishnah de Reshit HaGez après avoir précisé Dil Bartanora, c'est ici comme ça. Reshit Gez Tzonra Titenlo, il ne rapporte pas le début, mais en tout cas, tu devrais lui donner le début, donc le Reshit Gez Tzonra, le prélèvement de ton Gez, des Gez, c'est les tontes. De ton mouton, tu vas le donner. Et la Torah te précise pour quelle raison tu dois le donner. Qui bobachar Hashem alokecha mikol shevatecha la mode lesharet. Car Hashem a choisi dans les Kohanim pour qu'ils aillent eux servir devant Hashem. Ah, gez, service, tu les tontes par rapport au service. Donc, va voir dans les habits du Kohen Gadol. On commence par Hashem Tetzaveh. Et on va voir le plus petit des habits. Il y a bien évidemment Mikhnasaim, Mitznefet, Avnet et Mikbat. Il y a le chapeau, le pantalon, la tunique, et il y a dessus la ceinture. Le ceinturon, c'est le plus petit des habits, du Kohen. Le minimum de laine pour pouvoir faire un vêtement, donc pouvoir faire un ceinturon, ça requiert
96, donc ce qu'on a dit, là, 5 slaïm, donc 96 grammes de laine brute. Brute, nettoyée. Ouais, d'ailleurs. Après, on a fait une pelote, bien sûr, évidemment. Mais en tout cas, donc 96 grammes de laine, c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire la ceinture, le havnet que la Torah elle a donné à la misère. Ok. Maintenant, Chachamim ont décrété de toujours donner en réalité un 60e au minimum. C'est-à-dire, si tu as eu des grosses tontes, ne fais pas le radin en donnant une petite écharpe, c'est pas digne. Tu as eu des grosses tontes, tu as beaucoup de troupeaux, et bien tu donnes un 60e de ce que tu as reçu. Ok. On avance maintenant, on continue, puisqu'on a déjà parlé maintenant du fait qu'il faut lui donner tant que c'est encore blanc. Alors maintenant, question. Si du coup je me suis dit, je vais lui faire un costume avec la laine. J'ai pris la laine et j'ai commencé à la. Donc je l'ai bien nettoyée, je l'ai cardée, après je l'ai filée, puis après je l'ai même teinte. Et je lui fais un beau costume. Est-ce que je peux amener un costume au Cohen? Eh ben non, même pas un costume, même de la laine teinte, tu peux pas lui amener. Lo hispik litno lo achetzva o patour. Si toutefois, tu n'as pas eu le temps de lui donner, achetzva o, jusqu'à ce que tu l'as teint, eh bien, patour, tu seras dispensé de le lui donner. Tu as volé le Cohen. Littéralement, et voler sans pouvoir ensuite payer la monnaie. C'est d'ailleurs assez compliqué, ça ressemble à une chote xéla, on utilise ça dans Baba Kama, dans le Pérec Agozel Omachil, le neuvième Pérec de Baba Kama. Là-bas, en tout cas, succinctement, très rapidement, je vous explique le principe. Ici, on ne sait pas la peine d'extrapoler, on peut rester ici. Le fait, j'ai le devoir de donner cette chose-là au Cohen. Shinui Kone, dès que je transforme un objet volé même, je ne dois plus rendre cet objet, je dois rendre en général la contre-valeur, mais ça c'est quand j'ai volé quelqu'un. Mais lorsque j'avais un devoir de donner ça au Kohen, et que ça je l'ai transformé, je l'ai changé, il n'est plus reconnaissable et je ne peux plus le ramener à sa situation maintenant, eh bien ça s'appelle que je l'ai volé au Kohenim sans avoir de devoir de payer ensuite le dommage au Kohenim. En fait, j'ai malgré moi volé. Donc si j'éteins, c'est trop tard. Si j'éteins la laine, je ne peux plus la donner. Par contre, si l'ibnov l'otzvao, si tu l'as juste blanchi sans la donner, alors chayav, tu es encore imposable de la lui donner parce que ça n'a pas été encore une action assez importante pour considérer que Shinui connaît que le fait de transformer la chose, l'allure de la chose, n'est pas suffisant pour l'acquérir. D'accord? Si vous voulez plus de détails sur ça, allez regarder dans Baba Kama, Perek 9. Perek 9, Mishnah 1, on parle longuement des Gozel et Tzim. Agozel et Tzim, pas Gozel Machil. Agozel et Tzim, c'est le 9e Perek de Baba Kama. Il y a deux prakim qui s'appellent Agozel Kama, Agozel Batra, 9e et 10e perik. Ensuite, Alokeach Gez Tzono Shel Nochri. On passe à un autre sujet maintenant. Alokeach Gez Tzono Shel Nochri. Je suis parti voir un goy qui avait tout un entrepôt et je lui ai dit, c'est quoi, j'ai envie d'acheter toute la laine. Laisse, je te prends 10 000 shekels. Et moi, je tonds toutes les laines, donc j'ai acquis maintenant la laine en la payant. Mais je n'ai pas acquis le troupeau. Or, la Torah m'a dit, Reshit Gez Tzoncha. Les premières tontes de ton troupeau. Or, c'est pas mon troupeau. La laine, c'est la mienne, sans que le troupeau soit le mien. Donc, je ne suis pas imposable de Rishita Gez. Alors, car Gez Tzono Shel Nochri, celui qui va acquérir les tontes d'un mouton, d'un troupeau de moutons, du Nochri, d'un Goy, pas tout, mais Rishita Gez, il sera dispensé de donner le Rishita Gez, comme on a dit, Rishita Gez Tzoncha. Ensuite, maintenant, situation originale. Alors, car Gez Tzono Shel Chavero. Je suis parti acheter le Rishita Gez, toutes les tontes de mon ami juif. Il y avait un juif, il avait 5000 moutons à tondre, et je suis parti acheter les tontes. Donne-moi le droit d'exploiter, moi, de tondre à ma manière, et de récolter toutes les tontes. Alors là, qui va devoir donner les tontes? Alors bien évidemment, d'abord, je vous dis tout de suite là-dessus, on le fait d'abord vite, après on découvre ça dans les mots. Si jamais il m'a vendu toutes les tontes, alors là, c'est sûr, c'est moi qui vais tondre, et c'est moi qui vais donner au Cohen. Mais si toutefois, en fait, j'ai acheté que la moitié des tontes, alors on va dire... Ça veut dire qu'il y avait, je sais pas, mais il y avait 100 animaux à tondre, j'ai acheté 50 animaux. Alors là, on va dire, mais tu sais quoi, tout ça, ça s'appelle une seule tonte, du même troupeau. Eh bien, toi, tu prends les 50, et lui, le vendeur, parmi les 50 qui va lui rester, il va devoir donner la quantité de laine conséquente de tout le troupeau des 100 bêtes. D'accord? Regardez ça dans les mots. Alokar gez tsono shel chavero. Celui qui va prendre les tontes des moutons de son ami, du troupeau de son ami. Imchier Amocher, si le vendeur il s'est laissé quelques bêtes, même une bête le pauvre, il s'est laissé un animal à tondre et il a gardé pour lui, mais en fait ben, il va devoir tout donner depuis cet animal. Amocher Chayav, le vendeur il est imposable de donner les tontes, de donner la tonte au Cohen.
D'accord? Maintenant, parce que c'est son devoir en fait. Ensuite, l'oshier, haloké achayav. S'il n'a pas laissé de quoi donner, eh bien en ce cas-là, c'est l'acheteur qui sera imposable. Maintenant, nouvelle situation. Hayulo shnei minim. Il avait deux sortes qui peuvent être soit shrufot ou levanot. Shrufot, le bâtonnier dit le shrufot et le levanot. C'est du gris, du blanc sale, comme le cheval blanc dans le 4. Apparemment, c'est gris, quoi. C'est pas que c'est un blanc sale. C'est un vrai, c'est un blanc gris. Donc il y a du gris et il y a du blanc. Apparemment, d'ailleurs, le blanc, il est de meilleure qualité, il est plus souple. Comme ça, c'était. Ouais. Il précise pas pourquoi cette fois-ci. Il précise pas dans le partenariat, il précise pas pourquoi, mais en tout cas, elle est de meilleure qualité. La blanche, elle est de meilleure qualité que la grise. Macharlo shrufot avalolon. Donc il avait des gris et des blancs. Il a vendu à l'acheteur des grises et il s'est laissé pour lui les blancs. La question est de savoir maintenant, on a dit que l'acheteur, que le vendeur, tant qu'il s'est laissé des moutons, il doit lui payer son dû, parce que c'est lui le propriétaire du troupeau. Alors dans ce cas-là, s'il a vendu, donc on a dit, s'il a vendu 50 moutons et qu'il s'en est gardé 50, il va devoir parmi les 50 donner la quantité requise pour tous les 100. Alors maintenant, s'il a vendu les 50 gris et il s'est gardé les 50 blancs, la question est de savoir maintenant, est-ce qu'on va dire, ah, ben, tout ça, c'est toi, c'est tout ça, c'est ton troupeau, tu vas devoir lui donner, à partir des blancs, tu vas devoir lui donner même la quantité requise par rapport aux grises. Sur ça, on dit non, c'est pas le cas. Idem encore avec Zharim, Ve'avalon et Kavot. Il a vendu les mâles et pas les femelles. Or, les femelles, elles sont de meilleure qualité. On a dit, Bartonnerie apporte, mais la peau des hommes, elle est plus dure. Même chez les moutons, c'est la même chose. La laine des moutons, elle est plus rigide, elle est moins souple, moins agréable. Alors, on aura la même situation de nouveau. Eh bien, Zenoten Latsmo, Vezenoten Latsmo. Chacun, il s'occupe de donner sa part. L'acheteur, lui, puisqu'elle a pris toute l'espèce des grises, ou des mâles, ou des femelles, il devra lui payer tout pour l'espèce qu'il a prise, et le vendeur, lui, devra payer toute sa part de nouveau, parce qu'il n'y a pas besoin d'imposer, de lui donner de la meilleure qualité au Cohen, parce que moi, j'ai pris la moins bonne qualité. Donc, chaque qualité, elle est considérée comme une partie indépendante de l'autre, et donc chacune, elle est imposable à sa manière. Donc, voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de la Slachakol, tout, c'est là.